que le début de la fin commence. Ah là là, quel dommage, c'est la rentrée. Non, je rigole, je veux pas vous charrier avec ça. Mais c'est un peu drôle quand même. Bon, je rigole, mais moi aussi j'ai repris le travail. Bref, les amis, on n'est pas là pour ça, je viens de me réveiller. En fait, j'ai entendu une explosion pas très loin, et cette explosion a fait un son que je ne connais pas. Et j'ai l'impression que ça a tremblé un peu aussi. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais réunir tous les membres de ma famille qui sont présents aujourd'hui, et je vais aller les mettre en sécurité. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Tu peux également rejoindre tous les réseaux sociaux, Instagram, Discord et TikTok. En parlant de TikTok, mon compte de 182 000 abonnés reprend de l'activité. Vous savez, j'ai arrêté pendant au moins 5 mois, mais j'ai décidé de reprendre. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai relancé ce TikTok. Du coup, il est en description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Bref, avant d'aller chercher tous les membres de ma famille, je vais aller chercher mes pouvoirs qui sont dans la salle des mystères au sous-sol. De toute façon, je pense que maintenant vous connaissez, parce que en fait, on n'est jamais sûr. Dans toutes les vidéos, on doit les prendre, ces pouvoirs, parce que sinon ça peut être dangereux si on tombe sur des ennemis, sur des SCP, j'en sais rien. Mais on a quand même besoin de tous ces pouvoirs, voilà. Comme vous le savez, à chaque fois, il change un peu pendant les vidéos. Bon, il y a toujours les pouvoirs de base, le disque de foudre. Il y a aussi le trait de foudre que vous connaissez très bien. Il y a le souffle de feu. Ok, là, je suis un petit peu épuisé. Du coup, je ne peux pas reprendre. Je reprends de l'inspiration. Il y a l'éclair de feu. Bon, il est assez basique. Boule de feu majeur, on va éviter de l'utiliser ici parce que ça fait de gros dégâts. Je peux vous montrer dehors ce que ça fait. Hein. Ça fait une petite explosion quand même. Hop, voilà, regardez, ça... Ah bah encore là, ça va, ça a rien cassé, mais si c'est sur de la laine ou tout ça, ça peut casser très vite. Après, hop, on a la bombe de feu, qui n'a pas très bien marché, voilà. Après, on a boule de feu, et on a le trait de feu qui est assez connu. Bref, voilà, on a regardé tous les pouvoirs que je vais prendre aujourd'hui. Mais bon, je vais donc aller chercher mon père Notch, parce que Herobrine, apparemment, il est pas là. Allez, c'est parti, comme d'habitude, il doit être dans sa chambre, hein. Ça m'étonnerait pas, de toute façon, c'est à chaque fois, on va le chercher là-haut, hein. Et vous pariez combien qu'il est dans son passage secret? Et, ah bah non, même pas. Coucou papa, comment tu vas? Mon fils, quelle est cette explosion? Ok, tu l'as entendu aussi, je suis pas le seul, ok, non, ça me rassure pas, mais ça me rassure et ça me rassure pas en même temps. T'étais bloqué dans le lit, dis-moi. Je ne sais pas ce que c'était, du coup, j'aimerais bien aller voir quand même, hein. Je sais pas, toi, y a personne d'autre là à la maison? Alors, ton fils doit être parti avec Herobrine, je pense. Mon fils, Shulk, mais attends, il est trop jeune. Bah, je sais pas. Moi, tout ce que m'a dit Herobrine, c'est qu'il est parti se battre. Se battre? Mais attends, quoi? Bah, oh, il faut me demander la permission avant. C'est vrai que... Un gorille? Ouais, ça va alors. Bah non, ça va pas, parce que je protège quand même les animaux un petit peu. Et les gorilles, ils ont rien fait. Mais bon, ça va, Shulk, il a des pouvoirs, du coup. Il lui a volé ses pitchs. Ah d'accord, il a voué des gâteaux, ok, alors là je comprends, faut jamais vouer des pitchs, c'est abusé. Bon bref, attends, on va aller en bas quand même parce que je sais pas s'il y a d'autres gens, on va aller vérifier hein, quand même. Tu peux regarder vite fait dans la chambre de Fiora s'il y a quelqu'un s'il te plaît? Oh, parce qu'il est là, ça. Non, ok. Non plus, il y a pas Patrick, ok. Oui. Non, elle est pas là. D'accord, bon d'ailleurs les amis, en parlant de Fiora et de Patrick, ils devraient pas tarder à revenir parce que les deux ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Fiora, je vous le rappelle, a été partie en colonie de vacances pendant les vacances, ce qui semble logique. Et Patrick, on sait pas vraiment en fait, à chaque fois il disparaît lors des aventures. Je trouve ça assez bizarre mais il disparaît, ok. Bref, il y a personne d'autre, bon bah c'est pas très grave. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi cette alarme? Attends, mais ça vient de... Ok, les amis, j'ai l'impression que ça vient de la fondation SCP vers la zone de la fondation. Ok, il y a le téléphone qui sonne, attends, je vais aller décrocher, hop. Oui, allô, qui c'est? Eka? Ouais, Guillaume, c'est toi? C'est Guillaume, c'est ça. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Alors, je vais être obligé de compter sur toi, puisque je ne peux pas me déplacer. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi? On va avoir un problème dans la fondation. Ok, mais ok, ça vient bien de là-bas, l'explosion? On a entendu une alarme et des explosions. Ok, l'alarme s'est déclenchée alors. L'alarme est similaire à celle de la fondation.
Ok, d'accord. Bon, tu sais quoi, je vais aller jeter un coup d'œil avec mon père. On va y aller. Attends. Mais c'est bizarre là, il y a trop de trucs d'un coup. Tu penses que c'est un SCP qui s'est échappé? Parce que ça a jamais fait ça encore. Oh non, c'est encore pire. Pire? C'est possible ça? Ah oui. Bon, ok. Ben, tu sais quoi, je vais raccrocher, je vais aller checker. Et si cette alarme est là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ok? Ok, je raccroche. Je compte sur toi. Allez. Ok. Hop, vas-y papa, on va y aller, c'est parti. Attends, hop. Je suis en train de manger mes hot dogs. On s'en fout des hot dogs là, c'est très important, faut aller à Fondation SCP très vite. Bon, hop. Les amis, une petite nouvelle chose à la Fondation, c'est qu'on a plus besoin de cartes pour y rentrer maintenant. C'est avec la main, genre on pose juste notre main, ça reconnaît notre ADN. Et du coup, on y a accès, hop, on y va, go. Je veux savoir ce qui se passe parce que là, c'est pas normal. Ta main, pas la mienne. De quoi? Ça reconnaît ta main, pas la mienne. Oui, non, pas la tienne, vu que tu travailles pas là-bas. Ok, on y va. Attends, c'est quoi? Oui, un tremblement de terre, là. Attends, ça tremble un peu trop, là. Ok. D'accord, toi, t'es complètement tombé dans le sol. Ok, attends. Ferme le cachet, d'accord. Ouais, bon, faut qu'on se bouge, là. Faut qu'on se bouge, vite, on va descendre. Parce qu'on peut pas attendre, là. Vite, prépare tes pouvoirs, go. Hop, est-ce que tu viens? Ouais, parfait. Hop, rejoins-moi. Go. Il est en dedans. Les amis, ça m'inquiète vraiment ce qui est en train de se passer là. Ça fait bizarre. Attendez, la Fondation SCP, on a entendu une explosion. J'espère que ça n'a pas explosé parce que ça serait vraiment horrible. Ça ferait d'énormes dégâts. Ok, fais gaffe parce qu'à tout moment, des SCP peuvent s'échapper. Hein. Ok, on ouvre. Ça va, ça m'a l'air plutôt calme. Ok, il faut s'alarmer. De quoi? Est-ce qu'il faut s'alarmer? Vu l'alarme qu'il y a, ouais, alarme-toi, ouais. Bon, allez, on avance à partir de là. Ok, attends, ça tremble un peu, là. Ok, on commence à trembler. Qu'est-ce que... Patrick? Ah, tiens, des cas. Mais qu'est-ce que tu fais là, Patrick? Attends. Je suis un peu perdu dans... Voilà, je trouvais ça... Attends, mais il y a la sirène et tout, et ça te semble normal. Qu'est-ce que tu fais dans la Fondation SCP? T'as pas à être là, Patrick. Je dois y aller, désolé. Au revoir. Ouais, c'est ça, vas-y. C'est pas par là, sortie, c'est pas par là. Va là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais... C'est quoi ça? T'as rien à faire ici. C'est pas là-bas non plus, c'est là-bas. Allez, sors. En plus, ça tremble vénère là. Allez, va-t'en, parce que t'as rien à faire ici, Patrick. Hein. Ok, mais... c'est pas de secrétaire ça? Si, c'est mon comptable, mais voilà. Attends, c'est pas normal. Il a rien à faire ici, il fait pas partie de la Fondation. En plus, ça fait ultra longtemps qu'on l'a pas vu. Mais on attends. Reste un secrétaire. Attends. Je suis en train de penser à un truc, mais Patrick, il est souvent là dans les situations très dangereuses. Tu te souviens, ne choisissez pas le mauvais DK, dans le DK maléfique, c'était Patrick qui était là. C'est vrai? Et là, ça tremble, il y a l'alarme et tout, et c'est Patrick qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est bizarre, ta secrétaire. Ouais, je commence à me méfier un petit peu, là. Faut que je vérifie ça de plus près. Hop, vas-y, on va quand même continuer, parce que je vais me rapprocher du tremblement. Bon, ok, attends, je vais juste aller vérifier les bureaux parce que je veux savoir vraiment d'où vient le tremblement. Attends, d'ailleurs, on va même aller vérifier dans les toilettes et dans le salon parce qu'on sait pas. Pendant que je fais ça, tu peux aller voir la chambre, s'il te plaît, ainsi que la cuisine. Ouais. Ok, ici, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Dans les toilettes, on va ouvrir chaque porte. Hop, il n'y a rien. Ok, ça va être très long. Rien. Et rien, ok. Y a rien ici, faut qu'on aille vers les SCP du coup. Bon, fais gaffe parce que peut-être y en a qui sont en liberté ou quoi, je ne sais pas. T'es où? D'accord. Ah oui, je t'avais pas vu. Allez, prépare-toi, on y va. Attends, c'est quoi ces bruits? Y a une explosion là? Exactement. Ok, ouais. Ça tremble assez vénère hein, quand même, c'est chaud. Ok. Attends, c'est qui? Y'a Aerobrine qui dit 303, ok, vite, on y va. Qu'est-ce qu'ils font là? Ok, attends, on vient avec toi. Aïe, ok. T'es où, papa? Ok, t'es là, il est parti où? Là, derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi vous êtes ici? Je l'ai surpris en train de se balader dans... Attends, t'as entendu l'explosion aussi? C'est là. Pour ça que t'es venu? Oui, c'est ça. Oui. Mais attends, oui, j'étais concentré. Attends, Aerobrain, ils sont où Fiora et Shulk là? Je ne sais pas, je ne les ai pas vus. Oh, attends, c'est pas normal ça. Attends. Ok, il est passé où? Ok, juste là, ça va. Attends, on va prendre ça. Tiens, prends ça. Faut pas que je libère les SCP, faut pas que je les libère. Attention, ça peut faire mal. Ok, vite, on y va, attaquez-le. Ok, attention, c'est dangereux. Ok, ça va, vite. Ok.
Aïe, aïe, ok. Il fait tout noir, j'ai du mal à respirer. Ok, ok, ça va. Ok, il est là-bas, on y va, on y va. Il est parti où? Ok. Il est là. Allez-y. Aïe, arrête avec ce pouvoir, ça tremble déjà assez. Ouais. Il a disparu. Ok, il est où? Ok, attention. Ok, il est là. Pourquoi il court? Non, tu reviens là où il va dans la salle de confinement intense, les amis. Non. Aïe, il fait tout noir. Ok, il est juste là. Il y a des explosions, attention. Ok. Il est où? Il est parti. Il est parti. Attendez, ça tremble vraiment ici. Regardez, je crois que c'est ce boîtier. On peut pas le détruire. On peut rien faire. Attendez, ça tremble beaucoup trop là. C'est pas normal. C'est limite dangereux. Je crois qu'il faut pas qu'on reste là. Non. Les deux paires là. Faut pas qu'on reste là. Courez. Ça va exploser. Vite. Go. Oh merde. Venez avec moi, ça va exploser. Non. Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, c'est quoi ça? Ça a explosé pile. Vite, partez. Toi, tu te pousses, on s'en fout, on y va. Vite, faut courir. Ça, il y a tout qui va être aspiré, attention, je sais pas ce que c'est ni un trou noir, ni une dimension, ça. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas bien regardé, mais vite, faut partir. Go. Espérons qu'ils ne suivent pas. Non, de toute façon, lui, je pense qu'il craint rien, il peut se téléporter. Mais attention, si on se fait aspirer là-dedans, je sais pas où on peut aller. C'est ni une dimension, ni un trou noir. Ni une faille temporelle. Vite, go. Ça n'a pas l'air d'être ces trois choses là, vite. Faut qu'on parte. La fondation va être aspirée, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Vite. T'es où, Herobrine? J'arrive pas à monter ces escaliers. On t'attend en haut. Viens, mon frère. C'est bon, je suis là. Vite, on y va. Vite, on sort. Ok, il fait encore nuit. D'accord, faut qu'on parte. Ah, ok. Les amis, je commence à me sentir faible. C'est vers où qu'il y a cette faille, je sais pas ce que c'est. Faut qu'on la retrouve, c'était par là-bas. Normalement la fondation est juste en dessous. Go. Attendez, faut que je retrouve la chose là, je sais pas ce que c'est, ça me perturbe. C'est vers où? Attendez, normalement c'est vers là. Ok, j'arrive pas à voir. Pourtant, je l'entends, hein, mais c'est où? Est-ce que... Viens, où ça? T'es où? Viens, ok. Viens. Vas-y, je te suis. Je vais aller voir ce que c'est. T'es sûr que c'est par là? Ouais, je rentre par là. 100% sûr. Fais confiance à Nodge, okay. Il a un nouveau bien développé. Attends, c'est où? En dessous là? On l'entend en dessous. En dessous, d'accord. Attendez, c'est quoi ça? Non, faut vite qu'on parte. Attendez, ça prend trop de l'ampleur. Ok, t'avais raison, c'est juste là. Aïe, go. Oh, les amis, ça m'attire, c'est horrible. Vite, faut qu'on parte. Oh, la ville va être aspirée là. Vite, cours papa, cours. Il est où, Notch? Il s'est perdu derrière? Il arrive. Okay. Non, t'inquiète pas, il arrive, je sens. Faut vite que vous veniez là. Y a pas le temps. On va pas. Est-ce qu'on se réfugie à la maison ou on va voir ce que c'est? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous en pensez quoi? Moi j'ai cru voir un trou noir, alors je pense savoir ce que c'est. Non, c'est pas un trou noir, j'en suis sûr et certain. C'est ni un trou noir ni une autre dimension, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est bizarre. Faut qu'on aille voir ce que c'est là, faut qu'on y aille. Vite, attends. Je crois que c'était par là-bas. Faut qu'on y retourne. Ok, je sens qu'on s'y approche, ça tremble. Depuis quand tu voles toi? Ok, j'ai été aspiré. Il est vraiment pas loin. Ok, attention. Bon, je vous ai retrouvé. Ok, ouais. Est-ce que tu sais où il est, Notch? C'est juste à droite. Ok, on y va. Attendez. Ok, c'est quoi ça? Les amis, regardez-moi ça. Ok. Non, je veux pas tomber. Tombez pas. Ça m'aspire. Aïe, attention, vite. Faut qu'on s'éloigne. Il est pas encore assez puissant. Faut qu'on y aille là. Cachez-vous derrière. Ok. C'est totalement bizarre, ça va aspirer tout ce qu'il y a autour là, c'est pas possible. Les amis, c'est parti d'un petit boîtier et ça finit par cette chose incroyable, c'est pas normal. Ok, on va aller checker ça tant qu'il est encore assez faible, il nous aspire pas. Ok, regardez-moi ça. Il nous aspire tout. Tu crois que ça va marcher si on envoie des pouvoirs? Je suis pas sûr de envoyer plein de trucs. Mais attendez, là on va se faire aspirer. Regardez-moi ça les amis, ça va tout aspirer ce qu'il y a autour. Et la fondation SCP, elle était juste là. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher pour vérifier. Je suis vraiment pas sûr de ce que je fais, mais... Ok, allez, on va se rapprocher, poussez-vous. Hop. J'ai peut-être une hypothèse. C'est quoi ton hypothèse?
C'est peut-être une faille interdimensionnelle. Non, non, c'est pas une dimension, j'en suis sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout une dimension, je peux vous assurer, c'est pas ça. Hop, on y va. Ça attire, go, go, go. Ok, les amis, je me sens attiré, faut vite que j'aille me cacher. Ok, les amis, je suis en train de me faire aspirer là, c'est pas normal. Je résiste. Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Des cas. Patrick, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fous là? Attends, c'est pas normal. Patrick, qu'est-ce que tu nous caches là? Je vais t'aider. Aide-moi à remonter. Casse ce bloc, s'il te plaît. J'y arrive pas. Qu'est-ce que tu fais là, Patrick? Qu'est-ce que tu fais? Non, il est où? Etienne. Ah, Patrick. Le voilà enfin.